Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, Haïti Histoire. Haïti, au lendemain de l'indépendance, jusqu'à l'occupation américaine. À suivre avec le professeur Fritz Oba. Au lendemain de l'indépendance, anciens et nouveaux Libyens, qui s'étaient des ennemis irréductibles, et par la suite, te fait alliance pour te libérer colonial de l'esclavage. Poussé par l'ambition et la soif du pouvoir, te vite livré à une véritable lutte, une lutte sans merci, et fondio, c'était pour leur propre malheur et pour le plus grand malheur du pays. Tantôt, c'était une lutte entre les généraux de l'Ouest et du Nord, côté M. Loisio, qui finit par assassiner Dessalines le 17 octobre 1806. Tantôt, c'était une lutte entre les généraux Christophe et Pétion, lutte qui était occasionnée scission, c'est-à-dire séparation pays. Le royaume du Nord avec Christophe et la République de l'Ouest avec Pétion. Tantôt, c'était une lutte entre les Noirs et les Mulâtres. Les Mulâtres qui, à l'époque, étaient accaparés pouvoir pendant une trentaine d'années, étaient relégués tout noyau à l'arrière-plan. Pour cause, les piquets du sud de Jean-Jacques Akao, ainsi que la famille Salomon, étaient levés campés comme un seul homme, et réclamer un noir comme président. Tantôt, c'est une lutte entre le parti libéral et le parti national. Côté élite de parti Sayo, malgré leur grande vision, l'une agriculture, l'autre industrie légère, pas de jamais arriver à entente raisonnable visant à promouvoir une politique de progrès dans le pays. Tantôt, c'est une lutte entre les autorités du pays et les cacos du Nord. Ces derniers, exploités, harassés, menacés de destruction totale, pour se défendre, M. Sao a fini par créer propre armée, une armée qui décimait tout bon vrai la terreur dans le pays. En fait, pendant tout le temps, le pays a marché à reculons. Pays pas fait yon pakita, yon panago. Cependant, en pile savait la plume, en pile homme politique qui te gagne un mot à dire dans l'époque ça, yon tout te préféré faire silence, hormis Antenor Firmin, c'est-à-dire excepté Antenor Firmin, vivant en exil depuis après sa démission comme ministre du gouvernement d'Antoine Simon à La Havane. Nonobstant son exil, Antenor Firmin n'a jamais coupé cordon ombilical, c'est-à-dire cordon britli, avec pays. Voilà pourquoi on s'était toujours appelé, hein? En pile, sous affaire instabilité, ça, qui a fait rage dans le pays, il était même fait croire que c'est instabilité politique, ça même, qui est à la base de tout problème pays. Comme ça, Antenor Firmin, pas de peur, pas dirigeant yo, nèg qui au pouvoir, nèg qui passe au pouvoir yo, responsable tout malheur pays ça. Et c'est à partir de là même que Firmin te déclaré, et nous citons: la piteuse situation d'Haïti n'est pas la conséquence obligée de notre infériorité raciale, mais plutôt un malheureux effet de la conduite antinationale des dirigeants du pays. Qui donc, Antenor Firmin, pas d'accord du tout avec sa fait instabilité politique, ça qui, selon lui, a fait souffrir tout le monde dans le pays, quitte population, quitte étranger. Malgré le temps qu'il a loin pas approché, mais il a suivi de près, non seulement
politique pays, parlant de pays d'Haïti, mais aussi surtout politique américaine, non? Côté président Theodore Roosevelt, le 6 décembre 1904, te fin par réinterpréter sa doctrine de Monroe en des termes suivants. Tout État dont le peuple se conduit bien peut compter sur notre cordiale amitié. Tout ce que désire ce pays-ci, c'est de voir régner dans les contrées voisines la stabilité, le bon ordre et la prospérité. Si une nation montre qu'elle sait agir de manière raisonnable et décente, si elle maintient l'ordre et remplit ses obligations, elle n'a pas à craindre d'intervention de la part des États-Unis d'Amérique. Mais les défaillances répétées et une carence du pouvoir se traduisant par un relâchement général des liens de la société civilisée peuvent, en Amérique comme ailleurs, nécessiter en dernière ressource l'intervention de quelques nations civilisées. Et dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut les pousser dans de tels cas flagrants de manquement ou d'impéritie à exercer bien qu'à contre-cœur un pouvoir de police internationale. Voilà, c'est comme si dirait l'interprétation ça est faite à l'intention de pays noir qui, dans le moment ça, se trouvé dans un bouleversement stabilisé et jeune politicienne pays a pas fait rien de concret pour te sortir pays ça de cette crise tenace. L'ambition du pouvoir t'est tellement absorbé l'esprit, aveuglé, de pas qu'à penser à l'avenir pays. Et c'est ça qu'on a vécu du jour et aujourd'hui dans le pays. Comme nous toujours dit, l'exemple vraiment vient d'en haut. Dans le moment ça, moment que nous avons parlé de là, situation pays te paraît tout à fait critique. Malgré une épée de Damoclès qui était bel et bien plantée sous pays ça, politiciens nous yo pas de gain yeux pour ouais, ni oreilles pour t'entendre. De Saint-Thomas étant, de nos firmes te voyer un message clair et net by politique yo dans pays à travers dernière œuvre qui c'est l'effort dans le mal. Une œuvre de grande envergure, considérée comme une réflexion testamentaire et prophétique sur l'état d'Haïti. De cette œuvre profonde, en tenant firmé d'abord te plaignant en pile sur malheur pays, sur zombification, l'innocence peuple, ensuite en tenant firmé te reproché, gouvernement en tenant firmé Antoine Simon, spécialement ministre intérieur à l'époque Kadè Jérémie, pour malveillance li à l'égard de lui. Enfin, dans même EFSA, Antonin Firmin te prédit avec lucidité et vivacité d'esprit avenir pays en ces termes. Homme, je puis disparaître un jour sans voir poindre à l'horizon l'aurore d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses. L'une, où Haïti passera sous une domination étrangère, où elle adoptera résolument les principes au nom desquels j'ai toujours lutté et combattu. Car au XXe siècle et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Malgré la prédiction de Firmin, et encore la réinterprétation de la doctrine de Monroe, lutte pour le pouvoir te prend une extension folle dans le pays. Ce n'est pas déjà suspendu, nous-mêmes. La formule au toit que j'ai mis mettre là, eh bien, formule ça, t'es toujours de rigueur. Au point qu'Antoine Simon, qui est nommé président pour une période de 7 ans, soit le 19 décembre 1908, fut obligé, après 3 ans seulement, d'abandonner le pouvoir et partir pour l'exil le 3 août 1911.
Et après le départ précipité de Simon, situation politique pays devine plus mal. Et c'est après la course à l'abîme, côté peuple là, t'as pas assisté à ça où le gouvernement éphémère avec Cincinnati sur le compte. 14 août 1911, 8 août 1912, 12 mois au pouvoir. Jean-Antoine Tancred Auguste, 8 août 1912, 2 mai 1913, 9 mois au pouvoir. Michel Oreste Lafontaine, 4 mai 1913, 27 janvier 1914, 7 mois au pouvoir. Emmanuel Oreste Zamor, 8 février 1914, 27 octobre 1914, 9 mois au pouvoir. David Mathéodore, 7 novembre 1914, 26 février 1915, 4 mois au pouvoir. Vilboin Guillaume Sam, 9 mars 1915, 27 juillet 1915, 5 mois au pouvoir. Au total, 6 présidents en 4 ans et quelques jours. Et dans l'espace de temps ça, il y a 3 dans chef d'État Sayo qui étaient péris dans des conditions atroces, dans des conditions inhumaines, si vous voulez, dont Vilboin Guillaume Sam. Avant d'aller plus loin, on voit qui ça qui était à la base du dernier événement crapuleux ça qui démettait au tombeau le président Vilboin Guillaume Sam. Bref, on a dit, en dépit de toutes mes cachets qui étaient derrière dernier événement ça, président Vilboin Guillaume Sam, selon certains historiens, est responsable propre malheur. Arrivé au pouvoir le 9 mars 1915, dans un climat tout à fait de désordre, président Vilboin Guillaume Sam a montré le très vindicatif. L'histoire dit non que le président a préféré davantage, plus la vengeance qu'à la réconciliation. Comme ça, le président a fait en pile arrestation, jeté en pile citoyen en prison, entre autres, l'ex-président Emmanuel Oreste Zamor. Il y a un président que l'histoire considérait comme un nationaliste conséquent par le seul fait qu'il ait refusé catégoriquement l'aide des États-Unis d'Amérique pour le rester au pouvoir. Vraiment, monsieur américain, il a promis le mot et merveille. Il a promis qu'il a aidé le craser Kakoyo à condition qu'il était bayo. Il était bayo, bah, monsieur américain. Contrôle douane et finance pays. Zamor te préféré prendre le chemin de l'exil au lieu que il t'a accepté une telle condition. Cependant, apprenant l'accession de Vilboin Guillaume Sam à la présidence du pays, Oreste Zamor t'a décidé de rebrousser chemin. Retourner la caille. Plus tard, Zamor t'a marié par Ketli, tête droite pour Haïti. Arrivé au pays, Zamor rapidement été arrêté et jeté en prison. Comme ça, dans la nuit qui était 27 juillet 1915, Jean Charles Oscar Étienne, un sadique, un homme de sinistre mémoire, n'est-ce pas, a fait assassiner 667 prisonniers environ, et parmi prisonniers Sayo, se trouvait l'ex-président Oreste Zamor. C'était pour ainsi dire un meurtre collectif, un génocide lamentable qui a provoqué beaucoup de fissures dans l'âme. La même soirée, nouvelle ça a été tombée comme un coup de foudre dans la capitale pays et répandre sur la population comme un puits de cendres. Rapido presto, peuple souverain était occupé béton et était metté par au prince dans une ambiance tout à fait électrique, chaud en coup du feu. C'était l'anarchie totale et personne monde pas qu'a gagné contrôle peuple ça. Sur ces entrefaites, président Vilboin Guillaume Sam et Jean Charles Oscar Étienne, monsieur Sao, eh bien pas de connaît à qui recourir. Nous t'es réellement pris entre le matin et l'enclume. Malgré gros âmes kilikiki, gros âmes fanfois, t'as chanté dans le pays. En bas, tout gros âmes sa yo, le peuple a été arrivé, fait d'appuyant sur Jal
Charles Oscar Étienne. Il a été assassiné, monsieur, à bout portant et de justesse. Le président Vilboin Guillaume Sam, lui-même, te prend la fuite pour être réfugié dans la légation de France. Plus tard, le peuple a été fini par découvrir la cachette du président. Il a envahi la légation de France, rentré sans autorisation, il a violé la loi internationale en la légation. Légation ça, il a pris le président Vilboin Guillaume Sam, traîné à le mettre sur béton hein, et il a assassiné monsieur. En fait, deux monsieur Sayo, parlant de Vilboin Guillaume Sam et Charles Oscar Étienne, et qu'on est le même sort. Peuple a été fin assassiné, passé à la casserole, qui pisait, yo mettez en lambeau, mettez en pièce, raché en miettes morceaux, sac prend tête, sac prend main, sac prend pied, emmené avec morceaux et par M. Sayo à travers les rues de Port-au-Prince. Or, ce dernier acte de Babarissa, acte crapuleux ça, qui est servi de prétexte aux Américains, pour occuper officiellement le pays d'Haïti. C'est là, la campé à vous, pour aujourd'hui, la fois suivante, le débattement des marines américains en Haïti. Mettons bas nos rancœurs et haut nos cœurs pour une nouvelle Haïti, une Haïti prospère, une Haïti régénérée. Fritz Oba, allez, l'imbénoué.